Comment ça va le gang aujourd'hui? Mon nom c'est Shani et on se retrouve, on est où? On est dans les terres du Nord, les terres du chaos. Et j'ai un peu envoyé bouler mon chef de guerre là, le seigneur du chaos pour qui je bossais, et j'ai dit d'un peu aller se faire voir. Gentiment, gentiment, gentiment. Et aujourd'hui on se retrouve à la tête de notre propre unité. Les guerriers de Shani, les voilà, des maraudeurs vétérans qui vont augmenter, tiens. Des maraudeurs qui vont augmenter en vétérans, un petit peu. Des hommes du chaos, qu'on met en maraudeurs. Et des nains du chaos. Oui, parce qu'ils ont des fusils. Puis on a 2-3 humains que j'ai récoltés en allant taper sur les Bretoniens. On va en faire des archers, eux. Ce que je veux avoir une bonne chose, c'est que je veux que mes troupes au sol, ce soit des maraudeurs du chaos, tu vois, qui vont devenir des guerriers du chaos plus tard. Et en tir, on va avoir tout ce qu'on peut avoir. Une bonne unité de tir, c'est l'assurance de pouvoir tenir un peu plus longtemps sur un champ de bataille. J'ai 2 prisonniers aussi, je les ai un peu tapés pendant que vous étiez pas là. Et là, on est dans une taverne. Oh! Ah, il est l'heure d'aller picoler, mais d'abord. Hop! Alors ça ressemble à ça, une taverne. Hein, qu'est-ce qu'il veut, lui? Alcoolo! Qu'est-ce que tu regardes? Eh ben apparemment une saleté de bestiole. T'es pas heureux? Tiens, je vais te savater. Fallait pas sortir ton épée. Savate-le, savate-le, Lord Chani, savate. Souffre. Ah, vaut mieux lui que moi. C'est dommage. C'est dommage. Elle me disait, oh, mais il s'en est pris à toi, gna et blablabla. On s'en fout, c'est dommage. Et les hommes bêtes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent 320 pépettes pour me suivre. Tiens, prends 320 pépettes. Toi, t'es passé derrière le comptoir ici? Ok, on va aller vendre un peu ce que j'ai récolté en tabassant 2-3 groupes armés, histoire de pouvoir avoir une petite unité avant de commencer la vidéo. Ouais, d'avoir quelques troupes, tu vois, un peu de pognon et quelques troupes. Et puis on va aller acheter à bouffer. Ça, c'est le loot de base, il vaut que dalle. Il a rapporté quoi? 600 pièces d'or, même pas? 500 et quelques? 500. 509. Youpi! Et ça, c'est mon épée. Ça, c'est mon épée bâtarde. Elle est comme moi, c'est une bâtarde! Et maintenant, il est temps d'aller répandre la bonté et la générosité du chaos. Mmh. 127 troupes contre 2. À l'assaut! En fait, j'ai rejoint le combat d'un seigneur du chaos et. Et nous y voilà! La 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 la! Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Il faudra que j'augmente le contraste. Quand il fait nuit, c'est pas très beau. T'es où mon petit? Petit, petit, petit. Il est à moi, il est à moi, il est à moi. Petit. Il est là, les deux petits. 2 contre 127, vous allez tenir bon, les gars. Tiens. Et un. Il a encore en vie, mais c'est pas grave. Il y a 126 troupes derrière qui vont le tabasser. Tiens, morf, espèce d'humain. Crève. Allez, crève. Reviens. Reviens, Léon. Reviens. Mais c'est qui me fait mal en plus. Tiens. Et toi, t'enfuis pas. Reviens là, reviens. Archer à cheval. Aïe! Ah! Je me suis fait sniper et maintenant je me fais piétiner par mes propres amis. Aïe, 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 aïe. Le roi du fail. 2 troupes, ils réussissent à me buter. Faut vraiment que j'économise pour acheter une armure là, je crois. Oui, c'est bon, vous l'avez buté, ça y est. Bande d'enfoirés. Ouh! On est reparti, on est... Alors je me suis avancé dans la Bretonnie et je me rends compte que les rats ont pas mal avancé, les scavens, les hommes rats ont conquéri une partie de la Bretonnie. C'est comme ça qu'on dit conquéri, je crois. On volait une partie de la Bretonnie, ils ont tabassé. Et maintenant, on va récolter des rats pour nos armées. Moi, j'aime bien avoir des rats avec moi. Ils sont bien, les petits rats. Ils ont parmi l'une des meilleures troupes en tir. Les ingénieurs scavens, c'est une horreur quand ça se met à tirer, ça te bute du gars à très longue distance. Ok, c'est l'heure de l'assaut. Allez, on va disposer les troupes comme il faut. Toi, là. Mes petits archers et mes nains du chaos. Viendez, suivez Papounet. Ils sont où, eux? Ils sont où? Viendez ici, là. Et nous, on va avancer. Ça tire. Avec moi, mes hommes. Infanterie, il est temps d'avancer. Mes petits rats. Regardez, c'est mes petits rats.
C'est mes petites fouines à moi, mes hommes bêtes, mes petits rats. Ils sont tous à poil. Bon, ils ont pas l'air de vouloir venir. Alors vous savez quoi, on va y aller, nous. On va leur montrer qui c'est le patron. Hop, hop, le temps de dire à mes archers de venir se positionner ici. Aïe! J'ai pris une flèche dans le cul! J'ai pris une flèche dans le cul! Vous allez le payer. Enfoiré d'archer. Tiens, crève! Et crève! Et c'est des nains! J'aime pas les nains! J'aime pas les nains! Allez, allez, lâchez-moi! Lâchez-moi, j'aime pas les nains! Ah. Ah, le problème quand t'es un nain face à une hache lourde, c'est que ils peuvent facilement l'éviter la hache, il suffit qu'ils se penchent un peu, hein. Surtout quand t'es à cheval. Bon, ils ont des haches, mais ils valent pas le hachoir du chaos. Le hachoir du chaos est en route. Vouez allégeance au seigneur de la guerre. Par la sainte barbe. Chemin faisant, j'ai rencontré des pirates du nord. Ils sont 27, 33 et on est... Non, j'ai 33 troupes et ils sont 27. On va y arriver, on va y arriver. Allez, à l'assaut mes troupes d'amour. À l'assaut. On va leur montrer qui c'est le patron. Ici. C'est quoi, ils ont une cavalerie qui arrive? Non, ils sont à pied, hein, les guerriers du Nord. Et nous, on va faire notre rôle de seigneur de guerre, on va aller... On va bien diriger nos troupes. Et comme vous voyez, mes petits guerriers sont toujours bien chauds. Allez, à l'assaut. Viens ici. Viens. Allez, tiens, morfle. Allez, j'arrive pas à en toucher un, ça m'énerve. Tiens, voilà. Ouh, je me retrouve un peu embourbé là. Mais c'est pas grave. Le principe est fait. Alors le principe, c'est de jouer à ce qu'on appelle le lapin dans une course de lévrier. On leur met un ou deux coups, comme ça ils se disent, on va charger le couillon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'ils se font flécher, ils se font tirer dessus. Allez, et nous, on les piétine à coups de cheval. Ouais. Et... Coucher. Coucher. Tiens, morfle. Mais arrête de me jeter des haches, toi. Hop. Ouais, je disais, le lapin dans une course de lévrier. Pour ceux qui savent pas, c'est comme les courses de chevaux, hein, mais sauf que les lévriers, c'est chiens tout maigres, et courent après un lapin, c'est un peu comme une course de top modèle après un sachet de cocaïne, quoi. Il a pas osé dire ça. Si, il a osé, crève. Ça montre bien à mes hommes qui est le patron, c'est celui qui tue le dernier. Et ce joli bouclier que j'ai, je l'ai piqué à un soldat impérial, hein. Et vous pouvez voir, il y a un joli son impérial de pureté dessus. Ça le fait. Allez. Il est temps de looter, de looter, de looter, de petits lootis, 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 le pognon pour Chani. Désolé, c'est la chanson du pognon. Money, 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 pour moi, money, donne-moi. Elle est mieux mâche ou elle est mieux... Ok. Oh, ces hommes du Nord ne comprennent rien. À l'assaut. On va leur montrer qui c'est le patron. Mes petits archers, ils étaient partis en avant, alors je leur dis revenez en arrière. Non. Vous allez pas au casse-pipe les nains. Et on va voir un peu ce qu'ils ont pour nous. Hein? Qu'est-ce que vous avez dans le futal face à Chani? Allez. Mur de chair humaine. Regardez-moi tous ces beaux guerriers du chaos et ces petits rats. Ces petits rats avec leurs petits culs de rats. Trop mignon. Bon. On va les remontrer à ces mecs du chaos. Donc, ces guerriers du nord plutôt. Qui c'est le patron? Oula, j'ai presque plus de points de vie. Faut que j'arrête de faire des conneries. Je vais crever moi. Allez, mes petites troupes. J'ai intérêt à leur dire de charger, parce qu'alors là, si je crève, ils vont rester comme des cons sur place et se prendre des haches dans la tronche. Regardez-moi ce mur. Ce mur de haches qui avance, ce mur de bouclier. Allez, et nous, on va faire office de hachoir humain. Mon Dieu. Regardez. J'ai des cache-tétons en lance. J'ai mes cache-tétons sur moi. Crève.
Rien ne m'arrête, même pas deux lances dans le torse. Au contraire, ça me sert à déséquilibrer les autres. Allez-y, mes petits hommes du chaos. Alors, il faut savoir que ces guerriers du Nord, ils sont quand même en armure lourde. Faut s'en méfier, mais pas tellement, parce que nous, on a des hachoirs à viande. J'ai pas pris n'importe quelle unité, mon gars. C'est que des guerriers du chaos. Tiens, crève. C'est bien. Et il y a un petit orc au milieu. Je sais pas si vous l'avez vu, il est tout vert. Tout seul. Et mon petit rat. Allez, le rat. Il essaye de s'enfuir. Dans le dos. Il court encore. Tu cours encore. Tu cours encore. Tiens. Comme je disais, bataille précédente. Il faut savoir dire à ces hommes qui est le patron. Le patron, c'est moi. Voyons un peu. On a perdu 3 troupes contre 30. Ça va, rapport qualité-prix, c'est bien. Et il est temps de niveler les troupes. Oh, on commence à avoir un paquet de maraudeurs champions. Donc ils ont des armures plus lourdes. Mes bestman, je les améliore en gore. Et après, c'est très gore. Et après, c'est hardcore. Non, je sais pas, mais... Les petits orques. On va leur mettre une petite armure. Hop, on va monter. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est classer mes troupes. C'est-à-dire que sur le terrain, quand tu arrives, tu as un certain nombre de troupes limitées et elles sont dans l'ordre de la liste. Donc, j'aime bien les monter au bon endroit. Et on va monter les orques. Et à quoi il ressemble, le boy? Oui, il a une petite armure. C'est bien. C'est bien. Allez, maintenant, il est temps de récolter. Il est temps de récolter. Hop. Et comme vous voyez, je peux pas mettre ça, sinon je mettrai leur armure. Moi, je peux mettre que des armures de maraudeurs du chaos ou de guerriers du chaos. Ah, j'ai déjà mon inventaire qui est plein. On va enlever tout ce qui vaut pas cher. 21. Hop, 200. Hop, je vais faire un peu de tri, hein, et on va se retrouver de suite dès que j'en ai fini avec tout ça. Allez, à de suite. Alors, je me baladais tendrement sur la carte et je me suis dit, je vais aller casser les couilles aux elfes. Mais ils sont surarmés, des armées de 100, 200 troupes. C'est un peu plus hardcore que ce que je croyais. Alors, comme vous voyez, je me balade un peu et j'essaye de rejoindre les terres du Nord, mais en me faisant... J'ai fait le tour de la map, en fait, si tu veux. Comme ça, ça me permet de pexer un peu mes petits guerriers, là. De leur mettre des belles armures et tout. Et puis, je me suis dit, casse les couilles aux elfes, tiens, ça vaut rien, un elfe, c'est tout faible. Mais en fait, pas tant que ça. Oh, 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 un bateau. Il est à moi, le bateau. Il est à moi. Il y a une bataille, on va les aider. Tant pis. On va paraître gentil, mais on va aider les elfes, parce qu'alors il a une armée de 100, je sais plus combien. Voilà, 147. Moi j'ai 30 troupes, donc il a 117 troupes. Même si j'allais aider les elfes noirs, on serait dans le baba. Mais ça va nous permettre d'observer de nouvelles troupes. Là, vous voyez, les guerriers aux elfes. Donc les aux elfes, c'est des elfes, mais qui s'habillent tout en blanc. Ils sont un peu blonds aux yeux bleus, tu vois ce que je veux dire, là. Ils aiment pas trop tout ce qui s'habille en sombre, et pourtant nous on est là, chaotique, les méchants du chaos. Et je veux monter là-haut pour dire à mes tireurs de venir se poster ici. Petit, coco, coco. J'ai du mal à cheval quand même à monter, mon cheval c'est vraiment une merde. Bon, on va se positionner ici, et on va dire aux restes des troupes de charger. Mais alors les guerriers elfes noirs sont sauvages. Dans le sens où ils ont des arbalètes de ouf, ils sont assez solides et ils savent se battre au corps à corps. Donc on risque de le payer un tout petit peu. Vous voyez, ils viennent déjà de désarçonner la cavalerie elfe. Hop, nous on va venir mettre une ou deux claques comme ça de temps en temps. Hop, regarde, pan, et pan, et pan, et pan, raté, pan. Touché, je t'ai raclé la gorge. Il avait un truc dans la gorge, un chat dans la gorge, et j'ai voulu lui enlever un grand coup de hache. Tiens, dans ton dos. Oula, il pique. Aïe, aïe, ça pique. Arrête, tiens. Assassinons-les tous. Il ne faut plus personne. Voilà, et ça c'est le conseil que je vous donne à ceux qui testent le jeu avec ce mode, donc le mode Warhammer. Le jeu est très dur si jamais tu y vas un peu à la sauvage. Donc ce que je vous conseille, c'est au départ d'avoir une petite unité de troupes, de vous faire tous les bandits, comme ça, des petits groupes de bandits. Et ça permet de faire un peu de pognon, beaucoup d'XP, et de vous retrouver après avec ta base d'unité solide. Et ça c'est important, parce que si t'as pas, par exemple, si t'as pas une bonne infanterie, ben tu l'as dans le... Merci pour ton aide, ta gueule. Va pas répéter que j'ai aidé des elfes, quoi. Buuuuck. J'ai honte.
Mais bon, c'était pour massacrer, alors c'est pour la bonne cause. Il y a encore une bataille, est-ce qu'on la rejoint ou... Est-ce qu'on rejoint la bataille? Hop. Ah bah il y a encore des corsaires. Ils sont combien cette fois? 28 contre 29. Ouh, ça va piquer chérie. Ouh, ça va piquer. On est à égalité au niveau troupes. Il va falloir être malin. Tous au pied. Les archers ici. L'infanterie devant. Et n'oubliez pas, les elfes, ils ont des arbalètes. Alors on va se planquer derrière la colline et comme ça on sera tout proche d'eux pour taper au corps à corps. Ça, c'est l'idée principale. Donc en fait, on va utiliser le fait que nos mecs, ils ont des fusils, là, nos nains du chaos. Pour taper un peu... taper un peu dans l'elfe. On va attendre qu'ils... Tu vois? Un peu le comité d'accueil. Comme ils ont leur arbalète en main en général au départ, ils vont essayer de monter sur la colline. Et nous, nos troupes sont juste derrière la colline. Donc on va pouvoir faire un petit rush. Allez, marre d'attendre. On charge. Et nos archers vont venir ici. Est-ce qu'il serait pas par hasard juste là derrière? Aussi, aussi, aussi. Aïe. Merde, je me retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Ici les archers. Mauvaise idée de vous envoyer au corps à corps. Non, non, c'était pas la bonne idée du jour. Et nous on va aller taper de l'elfe. Blam. Comment ça t'as paré mon coup? Mais ils sont méchants, ils arrêtent pas de parer. Alors le but c'est de détourner l'attention des troupes. Comme t'es le général si tu veux. Nous on détourne l'attention. Pour que notre gros d'infanterie... Ouh là, il y a un peu trop d'orange dans le chat, je suis en train de morfler. Bon, ça va, il y a un peu de bleu aussi. Allez, il est temps qu'on vienne aider les troupes par derrière. On va descendre. Descends. Voilà. Et puis on va les tâter de l'elfe. Tiens. Aïe. Aïe. Allez, allez. Ça suffit. Oh, 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 oh. Tiens. À reculons. Et... Oh, le traître. C'est moi ou ils m'ont saccagé toute mon infanterie? Non, 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 non. Elle est où mon infanterie? Allô? Aïe, 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 non, 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 tiens. Non, 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 non. Faites-vous des steaks d'elfes. Allez, les nains du chaos, vous aimez bien vous taper de l'elfe. C'est un peu vulgaire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Fumez-les! Ne les laissez pas s'approcher. Oh, arbalète contre fusil. Qui va gagner? Alors, les elfes noirs dans Warhammer ont des arbalètes à répétition. Ça veut dire qu'ils sont pas obligés de retendre la corde à chaque tir. Quoique, apparemment... Si, mais c'est un rechargement rapide, tu vois. Allez, mais... Fumez-le. Il en reste. Il en reste, là. Derrière. Derrière le buisson, tu le vois pas? Il est parti chier derrière un buisson. Tire-lui dessus. Voilà. Il y en a encore. Il est où? Il se planque où? Il est là. Regardez. Il essaye de le faire discret. Je suis le dernier, vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas, je suis caché derrière le buisson, ça arrête les flèches. Ben non. Eh, hey, mettez-lui un coup de fusil, c'est bon, fumez-le. Allez. Ça passe au-dessus. Mais apprenez à viser. Oh, ça m'énerve. Ah, voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ça, c'est une bonne chose de faite. Saleté d'elfe. Ah. Ok, ils avaient des prisonniers, ouais, on va pouvoir les récupérer. Oh, c'est des pirates. Je veux le capitaine. Je veux les soldats. Oui, 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 oui. Et je prends les soldats. Et je prends tout, tu sais quoi? Je prends tout. Je peux accueillir jusqu'à 60 troupes. Là, on en a perdu quelques-unes. On a pas mal de nos troupes KO. Regardez les vétérans, il m'en reste... Il m'en reste qu'un! Oh putain. Pas bien. Hop, enfin, un fusillé, parfait. Impérial, mais c'est un fusillé quand même. Hop. Allez. Allez, 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 allez. Hop, on monte tout ça. Il faut préparer l'assaut. Et ce sera bon. Allez. Ok. C'est bon. Une arbalète. Bug. Bug, ça prend du pognon. Ok, on est presque chez nous. Nous y voilà, on est à la maison. On va aller faire un tour là-bas. Voir s'il n'y a pas quelque chose pour nous. Visite la taverne. Oui, visite la taverne. Ça, c'est bien. Ah, et avec lui, je peux vendre mes prisonniers et me faire un peu de pognon sur le dos des... Ah, mais j'en ai plus. Je les ai déjà vendus. Et ça, c'est quoi? Oh, des guerriers avec des grosses haches. J'ai plus beaucoup d'infanterie, donc on va les récupérer. Et on va aller au village. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Je veux recruter des hommes du chaos, j'en ai...
Des gobelins. Petit, viens voir là, chaton ton chani. Yup, raté. Je suis pas un hérisson, tu me plombes pas des lances dans le fion. Arrête-toi. Vas-y. Allez. Voilà. Fendu en deux, le gobelin. Oh, il y avait un peu de pognon en plus à se faire. C'est cool. Allez, hop, recrutons. À la base, j'étais venu chercher des mercenaires parce que... la bataille contre les elfes noirs m'a coûté cher en infanterie. Tous mes bons soldats y sont mourus. Hop. Alors, on reprend du troufion à poil, et on va en refaire des guerriers. Oh, il y a l'homme lézard, là, il me plaît. Toi, je te veux. Combien tu coûtes? 2002. Oh là là, j'ai pas encore les moyens, je reviendrai. Bouge pas, tu restes dans la taverne, tu bouges pas. Et toi? Blablabla, tu viens de loin, je m'en fous. Viens à la maison. Tu m'as coûté un peu de pognon, mais c'est pas grave. Maintenant, j'ai un homme de main. J'ai un lieutenant. On a un peu de bouffe encore? Ouais, ça va, on peut acheter... C'est cher ou non? 36, ça va, c'est abordable, tu vois, c'est pas méchant. Ok. Allez, il est temps qu'on se balade. Est-ce que j'ai des troupes qui veulent pexer encore un peu? Alors ça, c'est mon nouveau lieutenant. Ah, si je veux lui... Alors, quand j'aurai un peu plus de pognon, bien sûr, je les suréquiperai, mes lieutenants. On peut avoir ces lieutenants et on fera une troupe d'hommes lézards. On le mettra lui en chef, mais il faudra aller acheter les belles armures, les belles... Une belle armure en écaille d'hommes lézards. Allez, on va se balader un peu, on va fouiller un peu le nord et voir si on peut pas taper sur un ou deux brigands, là, histoire de leur en foutre plein la tronche. Et je vais sauvegarder quand même au cas où, je l'ai pas fait depuis un moment. Allez, ça fait, ça sauvegarde. Que j'ai pas envie de tout recommencer si jamais il y a un souci. Hop, oula. C'est où que je recrute? C'est là. Bienvenue. Allez, alors par là, faut faire gaffe, il y a pas mal de fois des trolls. Non, combien ils sont? Aïe, merde. Aïe. Alors les trolls, ça pique. Bon, ils ne tuent pas les troupes, ils les assomment. Ça, c'est un bon point. Il va falloir la faire tactique, donc. Parce que c'est violent, c'est-à-dire que tous ces trolls-là peuvent me fumer mon infanterie, mais à vitesse grand V. Il va falloir que je joue le lapin. Comme on l'a dit, le petit sachet de cocaïne qui fait courir les top modèles. Allez, c'est moi, regarde. Oh, mes archers sont devenus bons. Coucou. Regardez, j'ai une hache à te montrer. Yeah. Tiens. Ça c'est de l'archer, ça me fait super plaisir. Et crève, et crevez tous, il en reste plus que deux, il ne peut en rester qu'un, c'est moi. Alors comme je vous ai dit, j'envoie pas mes mercenaires au corps à corps parce que alors, voilà, le troll, un coup, il te fume une troupe. C'est parti, c'est moi que voilà. Regardez, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le seigneur du chaos, Lord Chani. 5 trolls, on s'est fumé. Oh, il avait des prisonniers. Viens d'aller à la maison. Hop. C'est quoi qu'il veut? Hop. Oh, on peut faire 5 maraudeurs, tiens. Hop. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et on arrive à la conclusion de notre épisode du jour de Mountain Blade Warsword, les poulets. Et oui, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces levés pour soutenir la série, à me laisser plein de gentils commentaires ou de méchants commentaires, on s'en fout, les méchants. Comme on dit, on s'en bat les cacahuètes avec une patte arrière-gauche d'alligator femelle. Parfaitement. Allez les poulets, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Peace. Bye bye.